Je vous remercie. J'invite Monsieur Enrique Ballon Aguirre de prendre sa place pour la dernière partie. Monsieur Ballon Aguirre est professeur émérite à l'Université d'Arizona aux États-Unis. Je vais remercier tout d'abord les centres culturels franco-belgiens et les organisateurs de cette journée qui m'ont invité. Même si je ne suis pas un spécialiste de culture, j'ai appliqué dans ma langue le travail scientifique, si l'on peut dire, des études de langue andine qui vont en compte le ciel de principe socilien. Et j'ai trouvé là-bas la confirmation aujourd'hui et ça a été très heureux pour moi de confirmer une série d'hypothèses que j'ai trouvées dans le travail littéral direct, dans des langues telles que la langue quechua, l'aymara, et aussi, dernièrement, le chipaya, qui a fini pour faire une étude d'ethnotaxonomie générale. Alors, je ne vous parle plus. Je donne la parole à celui qui veut la prendre. Si j'ai bonne mémoire, on avait laissé ce matin une question en suspens qui était un dialogue entre Simon et Aril sur la question des dualités. Et j'avais laissé une question explicitement en suspens pour maintenant, qui était une objection ou en tout cas une intervention soulevée par Simon à propos du dualisme et des dualités. Dans mon souvenir, j'étais intervenu pour demander à Aril s'il ressentait comme moi que le concept de kénose correspondait directement à son analyse de cette dualité introuvable. Et j'ai l'impression qu'on avait conclu à cette kénose du sens, mais c'est peut-être en soi un sujet de débat plus large, parce que c'est quand même le à la fois l'apport de Saussure à la pensée humaine au long des millénaires, ce principe de différentialité, si on devait le ramener qu'à une chose, j'imagine qu'on tomberait assez d'accord pour dire que le principe de différentialité, c'est lui qui l'a inventé, c'est son E égale MC2. Alors, ce principe de différentialité, c'est un principe pour une linguistique. Donc c'est un principe pour la méthodologie de l'analyse du sens d'une science du langage. Qui semble fonctionner mieux qu'aucun autre, enfin, sauf à ceux pour qui c'est le contraire, enfin, qui nous semble être un principe à la fois heuristique et efficace, pouvant éventuellement être étendu à la parole, mais ça reste toujours un principe, je dirais, épistémologique, dans le sens où c'est le principe qui commande une discipline d'analyse du sens que Saussure appelle linguistique, voilà, qui est peut-être un peu en péril ces temps-ci. Mais alors, il est évident que si, pour le prendre comme tel,
le point de départ, c'est de ne se poser aucune question philosophique sur le langage. Il est peut-être même pas évident que Saussure ne s'est posé aucune question philosophique sur le langage avant de poser ce principe épistémologique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'existence d'un tel principe dans une science du langage ouvre des abîmes de questions philosophiques. Alors, Harild nous a fait une intervention que j'ai trouvée assez wittgensteinienne, ce qui, dans ma bouche, est un compliment, et puis il habite Bergen quand même. Sinon, je vais bien plus modeste que toi, parce que moi, c'est pas difficile. J'ai appelé fait de la philosophie ici, j'ai fait des remarques terminologiques, j'ai voulu lire un texte. Il y a vraiment des problèmes terminologiques. Quand tu as dit sur les anagrammes, que l'anagramme c'est à côté de la figure vocale, ça veut dire quoi? Quand on lit le paragraphe où j'avais attiré votre attention, page 20, principe du dualisme, la distinction c'est entre le phénomène vocal comme signe et la figure vocale. Et entre le phénomène vocal comme signe, c'est là où on a la dualité. Mais évidemment, le mot signe ici est trompeur, parce que c'est habituellement le phénomène vocal comme quelque chose qui a du sens ou qui fait sens, tu as dit. Donc, phonème, morphème, d'unité linguistique, c'est pas à ce niveau-là, parce qu'il s'agit d'un côté, ce qui est double linguistiquement, et pour lui, la figure vocale n'est pas double, parce que la figure vocale, c'est ça qui est exclu de la dualité. Donc, je fais cette remarque terminologique pour quitter la philosophie, parce que quand même, c'est ici dans le texte qu'il y a peut-être des réponses, pas de la philosophie. Oui, je t'entends bien. Hein. Oui, ça, non, mais je voulais... Que ta position était de ne pas être philosophe, hein, et que ce que je tentais de présenter en réponse à la question de François qui m'a un peu surpris, c'est que ça ouvre malgré tout des questions de type philosophique. Ah oui, sur ah qu'est-ce, oui. Qu'est-ce que c'est que ce sens. Bon, moi j'aurais tendance à concevoir ça en termes de kénose du sens. Qu'est-ce que c'est que cette kénose? Qu'est-ce que ça nous amène à penser, par exemple, pourquoi est-ce que la poésie fonctionnerait là-dessus? Est-ce que l'interprétation mystique des textes, des traditions judaïques, chrétiennes et islamiques sur les quatre sens fonctionnerait autour de cette kénose du sens? Voilà, donc ça ouvre cette méthodologie et cette position épistémologique ouvre aussi à des questions philosophiques. Oui, mais il y a deux lignes bien différentes. C'est la ligne philosophique, ça veut dire quelle logique est-ce que cette logique de la dualité implique? Ça, c'est une grande question. Mais il y a aussi la ligne méthodologique. Comment écrire un texte, une langue? Et ça, c'est deux lignes tout à fait différentes, à mon avis. Méthodologique de la philosophie. Oui, évidemment, mais on peut l'aborder, les deux lignes, dans deux contextes différents. Et quand tu dis méthodologique, tu dis ouvre des questions de méthodologie à la philosophie, pour une méthodologie de la philosophie. Ça, ce serait vraiment... J'ai posé la question méthodologique, comment décrire, et toi aussi, comment décrire les unités linguistiques? C'est une question méthodologique. Oui, mais là, d'un point de vue d'épistémologie. J'aime pas le... Moi, j'aime bien... du point de vue d'une pratique. Oui, oui. Je pense que François, qui nous a embarrassé avec cette question, devrait s'embarrasser lui-même en tentant de nous aider à y répondre. Un discours théorique sans être un discours épistémologique. On ne peut pas projeter l'un sur l'autre. On ne peut pas transporter le corpus saussurien en disant c'est un épistémologue, son épistémologie est programmatique comme celle de Wittgenstein. Wittgenstein a bien des ambitions fondationnelles et épistémologiques.
il y a des traces du discours épistémologique chez Wittgenstein, mais pas chez Saussure. C'est-à-dire, je crois quand même que c'est la méthodologie qui est l'essentiel. Alors, de ce point de vue-là, je voudrais poser la question à Résus sur la différentialité. Est-ce que il n'y a pas une limite en ce qui concerne le degré de complexité, c'est-à-dire le différentialisme, ça fonctionne pour les phonèmes, les morphèmes, etc. Enfin, disons, le matériel traditionnel revisité. Mais au niveau des textes, c'est beaucoup plus complexe, et donc on ne peut pas, transposer un... Enfin, c'est un débat, à mon avis, qui est nécessaire quand on sait que certains auteurs, comme Simon Bouquet, ont transposé le principe de différentialité au palier textuel en cherchant à opposer des lectures différentes du même texte avec la notion d'homonymie textuelle. Là, je crois qu'il y a peut-être une différence de palier, tout simplement, et que le différent. Il faudrait interroger les études textuelles de Saussure sur leur usage de la différentialité, notamment les Nibelungen, et puis les anagrammes. Enfin, c'est les deux types d'études textuelles. C'est quand même assez symptomatique pour continuer les questions, parce qu'au fond, le travail sur les anagrammes simplifie un peu, pour moi, c'est très simple. Le travail textuel de Saussure ne peut pas ne pas intégrer la question de la figure de carré. C'est, on pourrait, parce que dans la dualité, le dualisme, le double dualisme qu'a présenté Arrigue ce matin, à la fois A versus AB et AB en tant que signifiant signifié, c'est une double imbrication des unités. En fait, elle est simplificatrice, parce que ce qui manque, c'est le concept. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ce que vous avez montré dans votre article 91 sur le trilium. C'est pas signifié, signifiant, puis formant. C'est formant, signifiant, signifié, concept. Et au fond, Bréal se situe sur l'autre versant conceptuel. Et la manière dont les concepts sont désignés par des expressions linguistiques, donc, au fond, c'est la logique. Or, le principe de différentialité, me semble-t-il, jusqu'à présent, les interprétations majoritaires ont consisté à le faire jouer essentiellement dans la relation forme-sens-AB. Elle est quasiment... le constat circulaire de Saussure, on peut partir de 5-6 points de départ différents, on arrivera au même résultat, c'est bien parce que s'il y a ces multiplicités, il y a systématicité, s'il y a systématicité, il y a différentialité, et qu'on parle de la différence, du bifacial, bon. Mais est-ce qu'au fond, on ne devrait pas être amené, en tout cas pour la question du texte, à parler d'une double différentialité, c'est-à-dire la différentialité forme-sens habituelle, et puis cette différentialité figure vocale forme-sens. Or celle-ci, à ma connaissance, a été beaucoup moins thématisée. Et peut-être que c'est ce dont on a besoin pour les textes. Or, la figure vocale est une unité perceptive. Et je pense que du coup, c'est aussi après, il y a plein de phénomènes. Une apocope, une aphérèse, une reduplication, tous ces phénomènes linguistiques. D'iconicité. Pour la reduplication, pour l'apocope, il n'y a pas nécessairement d'iconicité. Ciné, il y a de l'icône, mais cinéma, il n'y a pas d'iconicité. En revanche, il y a des découpages non morphémiques sur des figures vocales ou des figures graphiques et qui sont réintégrées ensuite. Et il faut intégrer des phases, il y a des phases de différentialité, il y a des phases de constituante, il y a des phases méréonymiques. Et sur des objets complexes comme sont les textes, sauf à être réducteur, il me semble qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. Mais c'est. La perspective gestaltiste, perceptive, sur les deux plans, où il s'agit de récupérer à la fois les unités déjà connues
voilà, les bons vieux phonèmes, morphèmes, lexèmes, position syntaxique, effusion. Mais les textes ne sont pas que des colliers, ne sont pas faits que de l'enfilage d'unités sur la triparticulation, produisent autre chose en tout cas. Oui, d'autant que l'articulation la plus intéressante, c'est pas la triple, c'est l'autre. C'est l'articulation herménétique. Et il me semble que ce qui nous réunit ici, c'est peut-être quand même le désir qu'une linguistique de la parole et une linguistique de la langue, pour dire ça très simplement, hein, qu'une linguistique de la parole et qu'une linguistique de la langue soient compatibles et peut-être renouvelées par des principes de Saussure. Mon voisin me disait quelque chose qui allait dans ce sens-là, que c'était l'intérêt pour l'analyse textuelle qui l'avait amené à une journée Saussure. Donc, est-ce que c'est... Alors, bien sûr, Marie-Josée Béglin, elle, nous apporte un regard historique d'une spécialité dont nous sommes très peu à être compétents ici. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, Françoise Bader est avec nous. Non, mais je pense, puisque nous avons échangé une correspondance tout à fait consensuelle, que le problème se pose actuellement pour Malveniste de la même façon. Elle pour Saussure et moi pour Malveniste, il nous semble qu'ils n'auraient jamais pu être les linguistes de linguistique générale qu'ils ont été sans leur formation de comparatistes. Je crois que Marie-Josée et moi, nous sommes. Je parle pour moi, mais je sais ce qu'elle pense, c'est la même chose. Nous sommes un peu étonnés devant certains écrits actuels, personne ici, hein, je ne sais pas qui est ici. Nous sommes un peu étonnés de voir, c'est pas de la récupération en profit de la linguistique générale, mais c'est une absence complète de regard sur le rôle que la diachronie qu'elle a si bien défendue tout à l'heure a joué dans leur formation. Il n'aurait jamais pu être des linguistes de linguistique générale comme ils l'ont été, sans avoir fait de diachronie. Alors si je suis bien informée, je dois voir un petit papier qui traîne dans le cahier Fernand Saussure, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Il n'est pas pareil mon truc. Hein. C'est une chose que j'ai eu à examiner et pour laquelle elle m'a aidée. C'est pas possible de concevoir ni Saussure ni Malveniste sans voir qu'ils se sont complètement formés, ça aurait pu être autre chose que les langues européennes, mais qui se sont formés à la linguistique par ça, et qu'aucun de leurs écrits, moi j'ai eu pour ce papier qui est apparu, j'ai eu des correspondances avec d'autres linguistes qui étaient tout à fait de l'Italie, d'ailleurs, ce n'est pas pour ça, qui se sont formés, enfin, qui soient les linguistes de linguistique générale, qu'on attire à soi, mais qu'ils ont été profils, etc., sans se rendre compte qu'ils ont été essentiellement des comparatistes à l'origine. C'est-à-dire des gens quand même qui ont travaillé sur des langues plus que sur des concepts généraux. En vous écoutant, il me semble qu'effectivement, à être focalisé sur cette exclusion de la parole au profit d'une langue en elle-même et pour elle-même, on a un petit peu trop laissé de côté la focalisation sur la synchronie, dont Marie-Josée nous rappelait tout à l'heure que c'était au départ pour Saussure une façon de faire de la bonne diachronie. Donc on a un peu depuis pas mal de décennies focalisé sur la synchronie. Je vais être polémique et ça ne vise absolument personne. Pour faire de la diachronie, il faut apprendre des choses. C'est compliqué, c'est des techniques, ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des gens plus jeunes qui ne font plus cet effort. Alors, c'est tellement plus facile d'appeler des grands concepts de linguistique générale sans savoir les langues qui sont derrière. C'est tout à fait l'impression que j'ai eue en travaillant pour ce tout petit papier que j'ai donné au CSF, grâce à Marie-Josée. Nous avons correspondu là-dessus. Ce que nous faisions, nous, étudiants, et que j'ai essayé de faire quand j'ai sévi à l'égard des gens de son âge, c'est d'en faire apprendre des techniques qui sont pas marrantes à apprendre, quand même. C'est vraiment pas du tout drôle. Alors, la linguistique générale, comme certaines linguistiques générales actuelles, pas celles des gens qui sont ici, qui sont les gens sérieux, ce sont des choses qui sont, en fait, pour moi, qui sont horrifiantes.
sur du blocomachie, les gens prennent des grands concepts, mais ça ne s'applique pas sur les langues, c'est ça qui nous gêne. On oublie très vite que la distinction langue-parole est en quelque sorte de saussure. Auparavant, il n'y avait pas eu telle séparation. Et la distinction langue-parole est un effet de son dualisme à lui, c'est-à-dire de son dualisme théorique, parce que quand on coupe donc le lien au référent, c'est-à-dire ce lien qui était le lien pour le dualisme classique ou traditionnel, on peut donc s'approcher de la langue, du langage autrement. Donc, il invente la distinction langue-parole. Langue-parole, ce n'est pas quelque chose qui existe. C'est une catégorie qu'on a inventée pour bien penser le langage. Et c'est très important que pour Saussure, ça c'était quelque chose qui est très important de son travail, de faire cette distinction langue-parole. Qui n'existait pas auparavant. Je pense que l'exposé de Tesla, pour ça, était quelque chose de tout à fait important, parce qu'il ne peut pas le faire en dehors des formes d'une certaine langue, tout en mettant en œuvre des concepts de linguistique générale de Saussure. C'est un exposé très exemplaire sur un sujet très particulier, mais il ne peut pas dissocier les langues. Alors pour ça, c'est très important. Mais ce qui me choque, c'est les gens qui dissocient. La formation de ces deux très grands linguistes, dont Baudin était quand même le meilleur de l'autre, qui excluent toute la formation, en l'occurrence comparative, c'est comme ça, qu'ils ont eu pour fabriquer leur concept. Et vous, vous en avez très bien tenu compte, donc c'est plus un autre. Est-ce qu'il n'y a pas votre intervention ? Juste poser une petite question à Philippe Testenois, c'est concernant tout de même ce problème que Saussure s'est posé dans mon souvenir du livre de Sarovski. C'est cette idée quand même qui se posait la question. Donc c'est vrai que l'anagramme n'a pas une fonction cryptique, que ce n'est pas quelque chose de mystérieux qu'il faut aller chercher, mais il y a quand même un secret quelque part. Et ce secret, c'est les règles de la versification des époques considérées. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée que les bardes ou les poètes se transmettaient une règle qui n'était pas affichée comme telle, qui était, alors il l'a décrit par moments comme une mesure serrée qui était donnée à la composition du vers, et il se pose cette question en termes de contraintes, mais de contraintes qui aboutit à quelque chose qui peut devenir esthétique. Mais je trouve qu'il y a quand même cette question-là qui se pose, c'est-à-dire la réalité ou non-réalité de cette règle chez les poètes indo-européens. Alors, je veux savoir si c'était conscience, si c'était. Ça, je ne sais pas si vous en. La difficulté, c'est de voir sur l'ensemble, en fait, il y a quand même beaucoup de documents. C'est ça, oui. Qu'il y a différentes phases et que les problématiques ne sont pas les mêmes. Et notamment la question du principe de composition, et cela pose, et le fait qu'il doit y avoir un témoignage de ce principe de composition, s'il existe et qu'il le pose, dès qu'il y a une littérature, c'est-à-dire à partir du corpus latin. C'est ça. Tant qu'on est dans les textes archaïques, l'hypothèse de l'anagramme, elle n'est pas plus. Occulte ou secrète que l'hypothèse du verbe formulaire. On n'a aucun témoignage sur cela. Donc la thématique du secret, où il va commencer à chercher des attestations métapoétiques dans les arts poétiques, etc., sur la pratique anagrammatique, elle intervient dans une seconde phase, c'est-à-dire à partir de 1907, quand il va commencer à travailler sur Ovide, etc. Là, évidemment, il se pose le problème, pourquoi j'ai fait ça, alors qu'il n'y a aucune attestation. Mais pour la pratique sur les textes du Veda et de il n'est pas nécessaire de postuler un secret. Homer dit cryptadier et Hésiode dit crépheux, quelque chose. Ils le disent en reprenant le terme. Mais c'est un autre usage, deux usages. Il y a le vôtre et puis il y a une fonction politique. Ce sont deux usages de la même langue. Focalisante, variant, le nom que vous citez,
et puis éventuellement des usages cryptiques, puisque les deux poètes emploient les mots cryptadiés, quand même l'épisode de Demeure au fond, on sait très bien ce qu'il cachait. Ce sont deux usages qui sont tout à fait différents, ça ne veut pas du tout dire que le nom propre se soit cryptique, mais la seconde, du coup, que les poètes se disent cryptadiés. Il y en a qui s'intéressent. Bon, merci beaucoup à tous. Merci.